la problématique, donc la thématique sur laquelle nous avons travaillé sur ce projet, c'est encore, je le répète, c'est le mythe de Tougal. Donc partant du constat que voilà, l'Europe a toujours représenté pour l'Afrique comme l'Eldorado, comme un mythe. Donc les gens ont souvent pensé qu'en allant en Europe, on réussit. Avant, c'était les intellectuels. Il faut aller en Europe, étudier pour revenir et être vraiment un cadre. Tandis que, bon, voilà, des intellectuels, on en a ici, ça veut dire, ça coule de source. Et donc, voilà, et jusqu'ici aussi, on est arrivé à une étape où ce mythe a changé de facette, à savoir, c'est les jeunes qui sont en train de se jeter dans les océans en pensant que, tout simplement, aller en Europe, c'est la réussite. Sociale, ça veut dire financière et tout ça. Et bon, en tant qu'artiste de la diaspora et ayant vécu cette réalité, nous nous sommes sentis légitimes de devoir, nous avons senti aussi le devoir moral de revenir ici au pays, de pouvoir faire un témoignage que ce mythe-là est une illusion et donc participer à déconstruire ce mythe qui ne cesse de hanter notre continent. Donc c'est pour cela que voilà, le spectacle m'invite et parle de ça d'une manière assez soft. Et sur le plan pictural, nous avons travaillé sur des tableaux en abordant ce thème. Et ici sur place, à Dakar, à Kaolack et ici à Saint-Louis, nous avons organisé des ateliers pour, avec je veux dire, toutes les tranches d'âge, à savoir les jeunes, les élèves jusqu'aux adultes et des plasticiens même, pour un peu échanger leur vision de l'Europe, leur rêve par rapport à cet Eldorado et avoir aussi des discussions, d'échanges et, voilà, et des témoignages.